Strasbourg. D'ailleurs, le mec est toujours pas arrêté. C'est fou qu'il met du temps. En tout cas, c'est Macron qui l'a dit. Hein. Cool, c'est bon. Les Français auraient pu parler moins un bout de temps. Ils vont parler des attentats. Je me demande pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça à ce moment-là? Pourquoi il a pas fait ça pendant les gilets jaunes? Là, un mec qui aurait voulu tuer beaucoup de personnes. Il aurait fait pendant les manifestations, là il aurait pu faire plus de 2000 victimes facile. C'est pour ça que c'est bizarre ces trucs. Moi je me disais, ça fait trop longtemps qu'on entend parler de Macron, obligé il va se passer un truc, histoire que on mette un peu de ça de côté. Et c'est ce qui s'est passé avec l'attaque à Strasbourg. Je trouve ça bizarre. Sinon ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Je sais. Je me dis, il y en a qui pensent que c'est encore un complot, c'est un coup monté par l'État, histoire qu'on laisse un peu tranquille Macron et toutes ses magouilles, qu'il puisse faire passer ses lois en douceur, et qu'on parle un peu de que tous les peuples, que tout le peuple se réunit pour avoir une pensée à Strasbourg et ne pas qu'ils se réunissent pour foutre la merde sur Paris. Voilà. Mais je trouve ça un peu bizarre quand même. Pourquoi le mec il a attendu ce moment-là? C'est vraiment un mec qui voulait faire une tuerie du siècle. La plus grosse tuerie en France. Il aurait été allé aux Champs-Élysées avec c'était une tonne de monde. On va dire heureusement qu'il a choisi. À ce moment-là, et pas le moment des, pas le week-end des manifs, parce que sinon c'est le bordel. Mais je suis sûr à cause de ça. Maintenant, ils avaient prévu de faire une ce week-end encore une manif, les gilets jaunes. Je pense que ça va être annulé. Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Enfin, si c'est pas annulé, je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde qu'avant.
Y a plein de monde qui a encore peur de sortir avec l'effet de masse. S'il y a des psychopathes, ça va les intéresser. Il suffit que le terroriste mette un gilet jaune. Il fait le strike. Clairement. Je sais pas. Je pense que quand c'est comme ça, il bloque très vite le périmètre, je pense. Mais bon, je pense que c'est un petit joueur entre guillemets. Parce qu'il est armé d'un simple. Un petit caillou, c'est pour ça qu'il a pas fait autant de dégâts. Donc je pense pas que ce soit un professionnel entre guillemets. Ouais, mais 3 visionnés. Il y a 3 mois et un admirateur inconnu. Il est parti plus que nous. Je pense que c'est le tueur. Je pense qu'il est parti. Il est parti venir chez moi là. Je pense que dans 10 minutes, je vais entendre toquer à la maison. Je pensais qu'en mettant un titre comme ça un peu
un peu, comment dire, en surfant sur l'actualité, sur le buzz, ce qui se passe en ce moment, je pensais que ça allait faire venir du monde. Ok, ça marche. J'ai fait un live hier sur le match PSG Belgrade. Il est tombé plus de 150 vues. En tout, plus de 150 personnes qui sont passées sur mon live. Et du coup, j'essaye de mettre à chaque fois des titres un peu accrocheurs pour que les gens viennent. Bonne nuit pour. Je vais pas tarder à arrêter aussi.